Le groupe autopropulseur de ce prototype fonctionne avec de l'hydrogène qui est converti dans une pile à combustible pour produire de l'électricité. Et cette électricité, on va s'en servir pour alimenter les moteurs électriques et faire avancer la voiture. Pour envisager de faire de la course ou des essais, la base est de pouvoir ravitailler. Total Energy a conçu la première station hydrogène itinérante. C'est une première mondiale, nous sommes très fiers de travailler avec Total Energy. On n'a pas affaire à un liquide, comme un carburant traditionnel, mais à un gaz. La station, elle est divisée en différentes parties, et qu'elle puisse pouvoir d'abord stocker l'hydrogène, le monter en pression, et après le distribuer. Des stations hydrogène existent dans le monde, mais ici, l'une des spécificités, ça a été de la miniaturiser pour que ça puisse rentrer dans un conteneur et qu'on puisse la déplacer sur différents circuits en Europe. Le développement d'une station hydrogène avec Total Energy est un enjeu majeur pour l'avenir. Total Energy est impliqué depuis le début dans ce programme Mission H24 et nous savons pouvoir compter sur un partenaire d'exception pour que les technologies développées en compétition trouvent leur place dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Les 24 heures du Mans continueront à jouer leur rôle premier, être un laboratoire d'innovation. En 2025, cohabiteront au Mans moteurs traditionnels, systèmes hybrides et hydrogène, et ce sera une première. 8 à 10 constructeurs s'intéressent au sujet. Il faut laisser le projet mûrir, il nous faut encore un petit peu de temps.